Yo les gens, salut à tous et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je sais même plus, oui c'était ce matin, j'ai fait une vidéo où je disais j'étais pas du côté des gens qui dislikaient les vidéos, mais qu'ils avaient le droit de disliker les vidéos. Du coup, bah voilà, je les ai un peu dénigrés en disliker, etc. Ceux qui dislikent. J'avais juste oublié, enfin oublié, j'étais pas au courant d'un détail, juste pas au courant d'un détail. C'est juste. C'est des dislikers, enfin c'est des rageux quoi, ils dislikent pour faire du mal. Et moi, voilà, après, il dit ça, il dit que c'est des dislikes pour faire du mal, je sais pas si c'est vraiment ça, mais moi, je peux pas dire que c'est pas ça, parce que j'en sais rien en fait. Mais moi, pour moi, quand quelqu'un dislike, c'est pas pour faire du mal. Sinon, il y aurait plus de dislikes, comme j'avais dit dans la vidéo. Mais admettons qu'il y ait un mec qui met un dislike. S'en fout. Tant que t'as plus de likes, bah tu t'en fous. C'est. Au pire, les gens qui font des dislikes, tu sais. Tu t'en fous, on s'en fout des gens qui mettent des dislikes, on n'est pas avec eux, on leur parle pas, c'est des bouffons eux. Ça, c'est des cassos. Je ne sais même pas pourquoi ils cherchent à faire du mal. C'est juste des gros cons, c'est des. Et que de bon bien. Pour que tu qu'il n'y ait pas de délire, que tu me comprennes bien. Parce que moi, je ne suis en aucun cas avec ces fils de pute. Moi, je te le dis parce que moi, j'ai l'habitude de dire des gros mots. Je ne suis pas avec ces fils de pute, de chiens de reine des putes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, le fait que tu croives que je suis avec eux, ça m'a fait vraiment mal. C'est pour ça que je suis un peu vulgaire. Franchement, ces putains de fils de pute, de bouffons qui font des trucs pour rien, qui c'est des rageux de merde, qui sont level 100 sur Call of Duty, là. Les rageux qui kickent toute la journée leur console, les kikous, les puceaux, les gens qui n'ont pas d'avenir. Moi, excuse-moi, mais moi, je suis pas de ce camp-là. Si tu vois, les dislikers qui sont là pour faire du mal, pour rien, c'est exactement ce type de personnes. Joueurs de Call of Duty, level max, avec toutes les armes débloquées, etc. Tout débloqué, multijoueur, tout débloqué. C'est que des gros kikous, sa mère, la pute. C'est des kikous de merde. Il faut pas que tu fasses attention à ces personnes-là. En fait, ils ont le droit de disliker, mais en fait, le dislike devrait une fonction YouTube qui devrait être annulée, désactivée. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment si les gens ils sont là pour disliker, pour faire du mal, ou disliker pour que la personne s'améliore. Et donc, du coup, voilà, c'est des fils de pute ceux qui dislikent tes vidéos. C'est des fils de pute, tu dois pas y faire attention. Tu dois juste tracer ta route. Faire comme s'il n'y avait jamais eu de dislike. Continuer tes vidéos. Tracer ta route. Au bout d'un moment, le mec, il va se lasser. Ou alors, il va encore être plus énervé. Mais toi, tu traces ta route. Fais comme The Curry. Lui, il est passé par là. Au début, il se faisait traiter de gros lard, de gros porc, de tout ce qu'il avait, de tous les noms. Frère, il a 2 millions d'abonnés. Il a pas arrêté. Il faut que tu fasses comme. Comme The Curry. Toi qui adores The Curry en plus, c'est un bon exemple. Il faut exactement que tu fasses comme lui. Et tu verras, tu auras 2 millions d'abonnés, puisque lui, il en a eu 2 millions. Si tu fais comme The Curry, des dégustations, des vidéos sur Fortnite ou Call of Duty, si tu fais des vidéos sur PlayStation 4, si tu fais des vlogs, un tout petit peu quand même, voilà, si tu fais des. Tu fais gagner des trucs à des abonnés, si. Bon, c'est peut-être pas pour tout de suite ça, mais. Il faut que tu fasses ta chaîne YouTube comme Zekiri. Il faut pas que tu fasses attention à ces kikous de merde. C'est important. Moi, je ne suis pas Et pour répondre à ta question, je ne suis pas. Je l'ai déjà répondu, mais je vais bien mettre les points sur les i. Je suis pas avec ces bouffons de fils de pute, de reine des putes. Je suis pas avec ces bouffons de merde. De dislikers qui sont là pour faire du mal. Moi, voilà. Voilà, il faut qu'ils enlèvent la fonction dislike de YouTube. Parce que on sait pas si, voilà, comme j'ai dit, on sait pas si c'est des gens qui dislike pour faire du mal,
Si le. Mettons-moi, je suis un abonné. Je me connais, je te connais pas en tant que pote, je te connais pas personnellement, je te connais pas en tant que personne, je te connais en tant qu'internaute. Je suis là, je vois ta chaîne, je dis. Ah, c'est bien, ça manque de qualité, ces vidéos, il manque de quelque chose, je vais mettre un like. Moi, je mets un like. Et j'écris en commentaire, est-ce que je te donne des conseils, comme j'ai toujours fait? Tac, tac, tac. Mais moi, je n'ai jamais dislike tes vidéos. Et du coup, en fait, je dislike qui sert à rien. Et à part faire du mal. À part faire du mal. Et si on n'aime pas la vidéo, ben on se trace la route. On la regarde pas. Et si on dit, oh, cette vidéo de merde. On peut pas dire, ouais, c'est pas terrible ta vidéo. C'est notre goût, on peut pas dire que c'est pas terrible. Parce qu'il y a des gens peut-être qu'ils aiment. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est enlever le fonction dislike, comme ça réglera les problèmes, etc. Moi, c'est une proposition que je fais à YouTube. Mais sinon, parce qu'ils vont pas le faire, hein, ils vont pas désactiver les dislikes, ça m'étonnerait. Mais sinon, toi, fais ta chaîne YouTube, t'occupe pas de ces bouffons de fils de pute, occupe-toi de tes potes, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de toi. Si t'as d'ailleurs, apparemment, t'as pas eu de cadeau pour Noël, ça m'a un peu fait mal au cœur. Mais tu vois, moi je voulais pas, je sais pas. D'ailleurs, c'est pas gâteau, c'est cadeau. Enfin, c'est ce que t'as fait une erreur. Mais enfin, c'est ça revient même, ça m'a fait un peu. Un peu mal au cœur que tu me dises que t'as pas de cadeau, ça m'a un peu chamboulé. Enfin, après c'est. Voilà. Je sais pas. Moi, je pense. Enfin, pour moi, montrer ses cadeaux, c'est montrer ses cadeaux à tout le monde, etc. Et ils sont contents, tu vois. Enfin, ils savent ce que j'ai eu. Par contre, je pensais pas que c'était possible qu'il y ait des gens qui n'ont pas eu de cadeau. Après, voilà, je veux pas savoir pourquoi t'as pas eu de cadeau, quoi que ce soit. Je pense que c'est parce que c'est des gilets jaunes ou quoi que ce soit. Mais moi, j'étais pas forcément courant que t'avais pas de cadeau. Donc, si t'avais pas de cadeau, si je le savais, j'aurais peut-être évité de montrer la télé. J'aurais évité de montrer mes cadeaux. Je veux pas. Parce que moi, je fais des vidéos pour montrer, tac, tac, tac. Mais je suis pas du tout là pour faire rager les gens. Je suis pas un gamin. J'ai pas que ça à foutre de. De toute façon, faire rager les gens, ouais, j'étais pris rocher. Je sais pas, moi j'ai pas fait ça pour faire rager les gens. Hein. Au contraire, juste les faire rocher, c'est juste des chocolats, c'est rien d'extraordinaire. Hein, voilà. Alors, après, il y a eu juste un truc à propos des frères rochers. Alors, moi j'ai dégusté les frères rochers, j'ai même précisé que bah, c'était grâce à toi que j'ai eu l'idée. Frères rochers comme cela. Toi, t'es arrivé en faisant une vidéo en disant, ouais, t'es pas plus fort que moi aux dégustations parce que moi j'ai mangé toute la boîte. Et moi, bah, il me reste encore, des chocolats. Hein. Il me reste encore. Donc déjà, j'ai pas trop compris. Moi, j'ai juste fait ça pour les déguster, pour faire partager quelque chose. Et toi, t'es arrivé comme ça de nulle part. Alors peut-être c'est parce que j'ai dit, voilà. Tes dégustations manquent d'originalité. Tu fais trop de dégustations similaires. Mais c'est juste encore une fois, ça c'est juste un conseil. Hein. J'ai pas insinué que j'avais fait des meilleures dégustations que toi. J'ai peut-être dit, moi je me permets de faire ce genre de dégustations trop très classiques, qui sont pas très intéressantes, qui sont pas que parce que tout le monde connaît les frères Rocher. Parce que c'est pas une chaîne de dégustation, ma chaîne YouTube. Et puis, même, c'est pas trop ce que je préfère. Moi, je préfère gaming, etc. Et d'ailleurs, vous allez avoir moins en moins de vidéos. Voilà, je vous le dis juste. Mais quand il y a besoin de faire une vidéo, j'en fais toujours une directement. Donc voilà, n'écoute pas ces bouffons. Et puis, fais attention à ce que tu fais quand tu dis, ouais, j'ai gagné, machin, le record, tac, tac. Alors qu'il n'y a pas de concours, et puis même, voilà. Fais attention parce que tu risques de te prendre des critiques et de dire ouais, tu te prends pour un boss, etc. Hein, c'est pour ton bien. Parce que un de ces quatre, tu peux. Parce qu'apparemment, tu peux le. T'imagines un de ces quatre, tu. Je sais pas. Tu croises. Tu vas dans un travail. Ouais, je sais pas où je vais là, mais je vais. Enfin, il faut. L'ego, c'est pas une bonne chose. C'est.
Je sais pas pourquoi tu m'as sorti ça. Ça m'a un peu surpris que t'aies cru que je t'ai lancé un défi ou je sais pas quoi. Mais fais attention aussi à ta santé. Ne mange pas trop vite tes chocolats, sinon tu risques d'avoir une crise de foie ou la diarrhée. Et je peux te dire que avoir la diarrhée, c'est chiant. Et puis, heureusement, ça serait trop con que tu aies une diarrhée juste parce que tu as cru que je t'ai lancé un défi. Et moi, je veux pas que tu te fasses du mal. Et puis, moi, j'ai pas du tout cherché de faire une meilleure dégustation que toi ou de concurrencer en copiant ton idée. Hein. J'ai juste eu l'idée et j'ai voulu partager ça. J'espère que tu prendras pas mal du fait que je souligne le fait que bah, il faut pas que tu. Enfin, que je t'ai pas lancé un défi. Hein. Je t'ai pas lancé un défi qui mangera sa boîte en premier ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas trop compris. C'est juste ça, tu peux m'expliquer pourquoi t'as dit ça ou enfin, j'en m'en fiche un petit peu. Hein. Moi, ça m'est égal. Moi, je suis pas vexé parce que j'ai perdu un truc et j'ai même pas participé, tu vois. C'est juste. Fais attention. Enfin, écoute bien ce que je dis. Parce que là, t'as cru que je te faisais lancer un défi. Moi, non. Je t'ai juste fait une petite dégustation et dit que des dégustations manquent d'originalité. Mais moi aussi, mais les dégustations, c'est de la merde. Hein. J'ai dégusté un kebab, comme si les gens ne connaissaient pas les kebabs. J'ai dégusté, tu sais, les petits gâteaux, j'étais avec toi en plus. Quand j'ai dégusté tout ça, les kebabs, le petit gâteau, là, 3, 3D, je sais pas quoi, enfin les machins, les petits gâteaux, là, qui ressemblent à une sorte de sorcière. Puis la Powerade, la boisson énergisante qui est une couleur bleue, etc. Ça, je l'ai dégusté avec toi, etc. Alors la Powerade, c'était un peu recherché quand même, hein, mais c'était avec toi, tu vois, donc on a dégusté ça ensemble, donc c'est pas une concurrence, tu vois. Tu vois, donc je sais pas ce que j'ai dit pour que tu croyes que je t'ai lancé un défi, mais non, moi, enfin, dans mon intention à moi, je t'ai pas lancé un défi, surtout un défi de nourriture, c'est pour qu'on se rende malade, ça sert à rien. Donc voilà, donc je suis pas dans le camp de ces fils de pute, la reine des putes, machin, tu vois, t'as capté le délire, hein, je suis oh, pas du tout avec eux. Puis donc, j'espère que ça t'a plu, j'aimerais bien. Bah, faire de nouveau des vidéos avec toi, faire le clip qu'on avait discuté, j'ai très hâte de le faire, alors il faut qu'on organise ça. Et puis, non, moi je veux qu'on continue nos vidéos, et puis, niquez-vous, mère, ceux qui dislike, niquez-vous, mère, parce que moi, Brian et Mohamed, enfin voilà, c'est des gens qui sont énervés parce que vous leur mettez des dislikes et vous désabonnez de leur chaîne, même si vous avez arrêté. Enfin voilà, niquez-vous, merde. Parce que moi, je veux pas être comme un maître ou machin. Moi, je suis du genre à vraiment être énervé direct. Hein. J'ai un très gros caractère, moi. Moi, je sais pas si c'est comme Brian ou quoi, mais moi, j'ai un très gros caractère. Donc, si vous cassez les couilles à mes potes, parce que moi, j'ai pas de problème. Mais si vous cassez les couilles à mes potes, je vais chercher à vous rencontrer, moi. Et je vais vous mettre des. On va se bagarrer. J'ai déjà battu contre quelqu'un, moi, au collège. Il s'appelait Yazid, je crois. Je me suis déjà failli contre lui. Hein. C'était un Marocain. Ah oui, je me suis battu contre un Marocain. Tu connais les Marocains. Tu vois? Et je me suis pas fait défoncer. Hein. Ça va, je me suis bien battu. Et si, franchement, parce que là, en fait, à force d'énerver mes potes, ça finit par m'énerver moi. Parce que moi, j'apprends quoi? Que vous dislikez pour faire du mal. Mais je vais vous niquer, en fait. Vous avez de la chance que d'être derrière un écran. Croyez-moi, vous avez de la chance. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vais le profiter de tout. Moi. Je suis pas là pour parler des bouffons ou quoi que ce soit. Ce genre de vidéo, ça me saoule, comme ça m'a saoulé à l'époque de Kaaris Booba, de parler de gamins qui se bagarrent, machin, truc, battle truc. Et à un moment donné, moi, j'aime bien m'épanouir, j'en ai marre de régler des problèmes. Voilà. Donc, au digital, profitez de tout et faites attention.